Wow, mes frères et sœurs, bonjour. Vraiment, ça, c'est quoi? Dites-moi ce que c'est. Pardonner, pardonner, pardonner ou dites-moi ce que c'est. Seigneur Jésus. Hein? Non seulement il est dedans, non? Mais là aussi, des chaînes en or pour cheveux. Eh bien oui, ce ne sont pas des cheveux sur sa tête. Ce sont des chaînes en or. Le gars a dit qu'il est fatigué de voir les gens se faire teindre les cheveux. Il a décidé de tout faire, afin de faire le contraire. C'est-à-dire, mettre du fer dans sa tête. En fait, sur son cuir chevelu, mais du fait sur son cuir chevelu, hein, sur lequel est, sur lequel sont connectées toutes ces chaînes que vous voyez sur sa tête là. Maintenant, voici le résultat qu'il a. C'est le résultat qu'il a. C'est un rappeur. Et dans son nouveau clip, il a montré ça aussi. Et dit aux gens, écoutez-vous là. Restez chez vous avec votre style. Moi, il voulait faire quelque chose de différent. Donc, ne laissez mon style comme ça. N'essayez pas de me copier. Hein? Voici ce qui se passe quand on a trop d'argent, mais on n'a pas la sagesse. Voici ce qui se passe. Lorsqu'on a trop d'argent, mais on n'a pas la sagesse. Seigneur, ce que vous voyez là, c'est pas du fer, hein? Ça, ce sont les chaînes en or. Les chaînes en or. Pour remplacer tes cheveux sérieux. Eh Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas étonnant que dans la plupart de nos témoignages puissants ici, nous découvrons des gens qui disent que il faut éviter carrément les bagues en or, les boucles d'oreilles et tout ça. Vous voyez ce que les gens sont en train de faire. Dieu nous dit que vous ne devez pas suivre la culture des gens qui sont là-bas, 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 là-bas. Là-bas, 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 là. Ceux-là même qui ont des dieux étrangers. Ceux-là qui adorent les dieux étrangers avec leurs or. Oui. Avec le parure. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui s'est passé au temps de Moïse, là où les gens adoraient le veau d'or, c'est ce qu'il continue de dire. Les gens, d'une manière ou d'une autre, sont en train de s'attacher à des choses des ténèbres. Et ils sont tellement ancrés dans ces choses qu'ils développent des idées. Pas pour citer l'idée nouvelle. Alors que tout ça, ça ne plaît pas à Dieu. Tout ça, ça ne plaît pas à Dieu. Dieu dit qu'il a créé toutes choses pour un but. Il a créé le soleil pour le jour, la lune pour la nuit. Mais ça, c'est pourquoi? C'est le matu vu. Le matu vu, Jean pour faire le buzz. Il n'y a pas longtemps, on a vu Jean, lui, il devait aller se planter un diamant sur le fond, en fait, dans le fond. Ça sert à quoi? Moi, je préfère courir après la sagesse que courir après l'argent, au nom de Dieu. Au nom de Dieu. Parce que si tu n'as pas la sagesse, tu vas vraiment te perdre.
Tu as fait des choses qui vont te détruire après. C'est pas après tout de suite, hein. C'est quand tu ne seras plus. Parce que quand tu ne seras plus, c'est ce jour-là que tu vas comprendre que ton corps ne t'appartenait pas. Qui est mort, son âme est sortie de son corps et la personne, comme son corps lui appartient, cherchait à entrer à son corps et a pu entrer. Même Michael Jackson, quand il est mort, sans doute il cherchait à rentrer à nouveau dans son corps, mais ce n'était plus possible. C'est parce que le corps que nous avons là, ce n'est pas pour nous en réalité. Il faut le respecter. Il faut respecter ce corps. Tel que Dieu vous l'a donné là, conservez-le précieusement. Très précieusement. Et le corps là se suffit. Il se suffit lui-même. Il n'a pas besoin que vous veniez la m'aider encore pour mettre dessus. Qu'est-ce qu'il y a? Quel chien? La fille, elle a des petits loulous. Elle va se faire chercher des loulous. Elle va mettre des caoutchoucs dedans. Elle met des choses en béton là-dedans. Toi-même, tu es l'homme. Tu viens, tu presses. Tu dis, ah, c'est du fer ou quoi? C'est du fer ou quoi? Mais ce n'était pas sa place. Ce n'est pas sa place. Maintenant, comme le système de son corps ne supporte pas ça, elle tombe malade. Mais elle refuse d'enlever sa boule qu'elle s'est implantée. Parce que c'est trop tard. Ne faites pas les choses de ce monde. Sinon, Dieu va vous vomir. Même votre corps va commencer à se plaindre. Vraiment, ce monde ne cessera pas de nous étonner. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, il faut que je vous montre. Oui, il faut que je vous montre ça. Pour que vous puissiez aussi m'expliquer comment est-ce qu'on peut arriver à ce niveau. Vraiment, cherchez la sagesse, mes frères et sœurs. Cherchez la sagesse plus que l'argent. Cherchez vraiment la sagesse. Dieu nous dit que l'intelligence de ce monde, ou la sagesse même de ce monde, c'est de la folie. Et c'est vrai. C'est vrai. Et c'est ça. Mais ça, arrêtez de vous faire teindre les cheveux. C'est quoi? Il y a quoi? Il y a quoi même? Depuis que Dieu a créé un être humain dont les cheveux changent de couleur chaque 3 jours. Vous avez déjà vu ça quelque part? Parlez-moi! Parlez-moi! Concentrez-vous sur l'essentiel, le salut de vos âmes et tout ce que vous avez fait sur la terre. Qui parlera pour vous après la mort? Parce que combien de temps l'on vit ici sur la terre? Qui a vu un homme qui avait été 120 ans ici? Qui? Combien sont-ils? Ça veut dire que nous vivons un court temps sur la terre. Nous devons faire les choses qui plaisent à Dieu. Ici, dans ce monde, les hommes s'habillent comme les femmes. Les femmes s'habillent comme les hommes. Personne ne parle. Quand tu les parles, ils disent que, oh, toi, tu appartiens à l'époque de Jésus. Jésus, c'est de le passé. Alors que la mort n'est pas de le passé. La mort est dans le présent, dans le futur de certaines personnes. Quand les gens font leur projet, ils ne font pas le projet de la mort, ils ne parlent pas du projet de la mort. Ils n'ont pas vu de déjà. Ils ne parlent pas de ça. Mais ça peut vous surprendre un bon matin. Il faut donc respecter Dieu et ce qu'il a créé. Il faut respecter Dieu, ce qu'il a créé. Ce que vous êtes là, ce que je suis toujours, respectez cela. Respectez cela. Restez naturel. Vivez, faut vivre de façon simple. Vivez naturellement. Tu es noir, ma soeur. Même si les gens de ce monde aiment les femmes claires, il faut porter cette croix-là chaque jour et puis va devant.
Tu vas te donner un bon mari qui aime la peau noire. Il y a trop de choses à vous dire. Je vous demande de vous parler de vous. Il y a quelque chose qui arrive.